Quand t'as la flemme de tourner cette vidéo et que le retard que tu prends est littéralement abyssal et que tu ne vois plus du tout d'où ça vient, oui, c'est Bibi. Quand je dis que c'est abyssal, je pèse mes mots. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. J'allais vous dire, comme d'hab, j'ai 4 romans à vous présenter, sauf que pour le coup, c'est pas le cas, j'en ai que 3 à vous présenter. Mais ces 3-là sont des lectures méga en retard, hein, puisqu'elles datent de septembre-octobre. Voilà. Quand je vous disais que c'était abyssal, c'était pas des conneries, hein, voilà, septembre-octobre. Du coup, pour ce point lecture, j'ai décidé de ne vous présenter que les livres méga en retard. Et pour la suite, je vous présenterai les livres qui seront un peu moins en retard. Et je pense qu'au moment où je vous tournerai les prochains points lecture, suivis de lecture, ce seront pareil des lectures méga en retard, hein. Vu comment c'est parti, voilà. Bref, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Du coup, pour ces lectures, je pense que j'ai certaines choses qui ont été oubliées, donc ne m'en tenez pas rigueur non plus, s'il vous plaît, hein, parce que là, voilà, je me suis motivée aujourd'hui pour la tourner cette vidéo. Bref, on commence tout de suite. Je commence du coup par le premier tome de cette saga. Il s'agit donc d'Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer, publié aux éditions Rajo. Alors, cette lecture me faisait très envie au moment où je l'ai commencée, hein, parce que je l'ai achetée et je l'ai lue presque aussitôt. Mais vous le savez, moi les réécritures de contes en général, ça fonctionne pas bien. Voilà, j'ai tenté déjà plusieurs réécritures de contes, et en général, voilà, ça passait pas. Soit j'abandonnais, soit j'allais jusqu'au bout et j'étais déçue. Notamment par exemple par la saga la plus connue qui est Takotar, qui moi m'avait pas du tout plu. Le premier tome, vraiment, ne m'avait pas plu. Hein. C'est pas ouais, il y a des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont pas plu. Alors si, il y avait 2-3 choses qui m'avaient plu, mais dans l'ensemble, j'avais pas aimé cette lecture. Donc voilà, hein, ça marche pas avec moi en général les réécritures de contes. Mais là, je sais pas, il y avait un truc qui m'attirait, il y avait un truc qui m'intéressait. Du coup, je me suis lancée et je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas parce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette lecture. En plus, ça a beau être hyper épais, on va pas se mentir, c'est écrit large, les marges sont très larges, la typo est pas très fine, les pages sont assez épaisses. Donc voilà, hein, ça a beau être un pavé. Ça se lit assez vite, c'est assez fluide, donc c'était hyper agréable. Donc ici, on est dans la réécriture du conte de La Belle et la Bête, encore une fois. Et on va suivre donc Harper, qui est une jeune adolescente de 17 ou 18 ans, qui aide son frère, si vous voulez, à racketter des gens qui sont en dette pour la mafia, des gangs. Sauf que elle n'a pas le choix, en fait. Lui et son frère n'ont pas le choix, puisqu'ils sont littéralement pris à la gorge. Leur père s'est tiré en leur laissant des dettes énormissimes. Leur mère a un cancer en phase terminale et ils ont absolument besoin d'argent pour payer les soins palliatifs de leur mère et pour rembourser la dette, évidemment. Harper, ce jour-là où elle surveillait la rue, va tomber sur un jeune homme habillé de façon bizarre qui va essayer de kidnapper une jeune femme. Harper, prise d'un élan d'héroïsme, va vouloir aider cette jeune femme. Sauf que, manque de bol, c'est elle qui va se faire kidnapper au final et elle va se retrouver dans un monde différent, dans un royaume différent qui a été maudit. Le prince de ce royaume a été maudit et en gros, elle est là pour savoir si elle peut tomber amoureuse ou non du prince pour annuler la malédiction. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le résumé parce que finalement, c'est un peu la base de La Belle et la Bête, hein, c'est un peu le truc de La Belle et la Bête. Donc là-dessus, voilà, rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une intrigue qui va vraiment se dévoiler dans ce roman. Pas juste la malédiction, il y a vraiment tout plein de choses à côté qui vont donner de l'épaisseur à ce texte, donner de la profondeur à ce roman, donner une véritable intrigue à ce roman. Et pas juste une romance où il faut sauver quelqu'un qui a été maudit, c'est pas du tout ça, enfin ce n'est pas que ça. Ce qui fait que le texte, je l'ai trouvé pour un roman jeunesse, young adulte, hyper riche, et ça j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'idée de cette malédiction parce que cette malédiction, l'auteur va
va rajouter des choses à cette malédiction qui va faire en sorte que cette malédiction, elle est quand même bien plus dangereuse, elle est quand même beaucoup plus sombre, beaucoup plus sanglante, beaucoup plus désespérante, hein, clairement. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai beaucoup aimé l'intrigue qui se dévoile petit à petit, parce que je vous le dis, l'auteur va y rajouter des choses qui font que l'univers va prendre en épaisseur, l'intrigue va vraiment prendre en épaisseur, il y a vraiment plein de choses qui se passent, il y a pas mal de rebondissements, de retournements de situation, de révélations, de secrets, il y a tout en fait là-dedans qui fait que ça m'a plu, parce que l'auteur a su trouver un juste équilibre en fait pour moi, entre le conte et entre une véritable intrigue, et ça c'était vraiment cool, ça déjà c'était vraiment cool. Donc j'ai beaucoup aimé l'idée de la malédiction, j'ai beaucoup aimé l'intrigue qui se développe, j'ai beaucoup aimé l'univers qui peu à peu se développe également dans ce premier tome, j'ai également beaucoup aimé les personnages qui pour moi tout au long du roman vont évoluer, vont changer, vont s'affirmer, vont apprendre à faire confiance, vont apprendre également à prendre des décisions entre guillemets d'eux-mêmes au vu des circonstances, à s'émanciper de ce qui leur tombe sur le coin de la figure, et ça j'ai vraiment beaucoup 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 aimé. Je sais que Ren est un personnage qui n'a pas forcément plu à tout le monde, alors que moi si, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage parce que dès le départ on sent que c'est un personnage qui est malgré tout beaucoup en souffrance, qui est un personnage qui se cache peut-être derrière son arrogance, qui se cache derrière de faux semblants peut-être pour se protéger. Pour se protéger de tout ce qu'il a subi, de tout ce qu'il subit, de sa culpabilité et du fait qu'il n'arrive pas à aider son peuple et à sortir de cette malédiction. J'ai beaucoup aimé Harper également parce que Harper c'est un peu une jeune femme complètement différente qui se pointe dans cet univers, qui va apporter un renouveau dans cet univers, une fraîcheur dans cet univers, qui vont permettre du coup à Ren, donc le prince, et à l'autre personnage secondaire qui s'appelle Ray, il me semble, qui est en gros le dernier loyal sujet du prince qui est resté au palais. Elle va vraiment leur offrir cette possibilité de s'ouvrir, de prendre en confiance, de voir au-delà en fait de leur vision, et ça j'ai beaucoup 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 aimé. Bref, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que l'auteur ne va pas juste se focaliser sur la romance, parce que à la fin de ce premier tome, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait de la romance. On va dire qu'il y a un début de confiance, il y a un début d'attirance, il y a un début d'attirance, mais également de confiance, d'amitié qui peut se développer sur autre chose, voilà, parce que le contexte est très compliqué hein, dans ce premier tome, et c'est compliqué de développer une romance, voilà, je pense, et je trouve que c'est très bien fait du coup, parce que l'auteur va prendre son temps au niveau de la romance. Moi la seule chose qui m'a un peu déplu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des prémices d'un triangle amoureux dans ce premier tome, et ça par contre, moi vous le savez, les triangles amoureux, je déteste ça, hein, clairement. Bref, du coup, j'étais inquiète, j'avais un peu peur en lançant dans ce moment, et ben finalement, c'était une très bonne lecture, et je lirai avec un grand plaisir la suite. Je continue par une lecture qui date aussi de loin, puisque octobre, hein, début octobre il me semble. Donc encore une fois, je risque d'avoir oublié pas mal de choses, vous ne m'en voudrez pas trop, j'espère. Il s'agit de Enchantment of Raven de Margaret Rogerson, publié aux éditions Brajlon dans leur collection donc Bing Bang. Et en achetant ce roman, je savais à quoi m'attendre. Je savais que c'était le premier roman de l'auteur, puisque d'elle j'avais lu Sorcery of Tongue, qui est sorti après évidemment ce roman, qui est beaucoup plus abouti que ce roman, puisque ce roman est le premier roman de l'auteur. Je sais qu'il a des avis beaucoup plus mitigés, donc franchement, moi quand je l'ai acheté, je savais à quoi m'attendre, je savais sur quoi j'allais tomber, donc j'en attendais pas des mille et des cents, ce qui fait que moi ça m'a bien plu. Voilà, le fait de ne pas en attendre un truc énormissime, ça m'a vraiment 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 bien plu, même si c'est un premier roman, voilà, même si c'est un premier roman. Alors oui, il y a des choses qui m'ont manqué, oui, on sent que c'est encore un peu maladroit sur certains côtés, mais c'est un premier roman, et on voit déjà que la plume est très agréable, on sent déjà que
L'auteur a une imagination absolument débordante. Voilà, c'est un premier tome, c'est maladroit, donc moi personnellement je lui pardonne. Donc ici encore une fois, on est dans un univers de fantasy, dans le royaume du printemps, dans un petit village humain, on y rencontre Isobel qui est peintre portraitiste, puisque elle, ses clients, ce sont les faées. Les faées dans cet univers ont beau être immortels, ont beau faire de la magie, ils sont incapables de créer de l'art, en fait. Ils sont incapables de faire de l'art. Peindre, c'est impossible. L'art culinaire, c'est impossible. Écrire des romans, c'est impossible. Voilà, tout ce qui concerne l'art de près ou de loin, ils en sont incapables, ça les tue. Le paradoxe, c'est qu'ils sont férus d'art. Voilà, donc ils sont bien contents d'avoir des humains à portée de main pour créer de l'art à leur place. Donc un jour, Isobel va avoir pour client le prince de la cour d'automne qui s'appelle Corneille, donc il va lui commander son portrait, ce qu'elle va faire, sauf que le jour où le prince va dévoiler le portrait à la cour, à sa cour donc d'automne, ben, il va se retrouver humilié parce que Isobel a peint le prince d'une telle façon que quand on regarde le tableau, on voit toutes ses faiblesses. Voilà, donc le prince Foudrage va la kidnapper pour l'emmener donc dans son royaume et dans sa cour pour qu'elle se fasse juger pour ce crime. Je ne vous en dis pas plus pour ce roman, vous n'avez pas besoin, parce qu'il est court, parce qu'il se lit vite et parce que je vous en ai déjà dit beaucoup pour un roman aussi court. Alors j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé l'ambiance générale de ce roman, j'ai bien senti que c'était un univers de faille extrêmement dangereux, extrêmement paradoxal, extrêmement subtil et plein de mystères, mais également vraiment très 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 dangereux. Même quand les failles vous semblent gentils, ils sont extrêmement dangereux et ils peuvent être extrêmement mauvais. J'ai beaucoup aimé les personnages d'Isobel et de Corneille, même si Corneille est quand même pas mal inconsistant. Moi, il m'a bien plu parce que c'est un personnage qui sait pas trop comment se comporter en fait avec Isobel. C'est un personnage qui sait pas trop sur quel pied danser et il va dévoiler des failles, il va dévoiler des faiblesses effectivement à Isobel. Isobel, c'est une personnage, c'est un personnage qui est fort malgré sa condition d'humaine. C'est un personnage qui manque pas de répondant, c'est un personnage qui manque pas du jot, c'est un personnage qui sait se débrouiller vis-à-vis des faées. Voilà, elle est maligne, elle est débrouillarde et voilà, elle a une forte personnalité tout en sachant se montrer discrète. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ces deux personnages, j'ai beaucoup aimé la relation qui va se nouer entre eux au fil des pages, parce que la relation, elle peut paraître rapide au vu du temps qui va s'écouler dans ce roman, mais moi je ne l'ai pas senti comme ça. Moi j'ai trouvé que la relation avait une belle évolution, un beau développement. J'ai bien aimé l'intrigue également qui se développe. Donc voilà, j'ai bien aimé ce roman dans sa généralité. Moi ce qui m'a manqué du coup, c'est l'intrigue. Il y a une intrigue qui se développe qui va manquer d'approfondissement, qui va manquer d'un plus. Voilà, j'ai également aimé l'univers, mais l'univers il est à peine effleuré au final, et surtout sur la fin. Il y a toute une scène sur la fin qui moi m'aurait tellement plu si elle avait été beaucoup plus approfondie, beaucoup plus aboutie, avec une intrigue qui aurait pu se développer encore plus. Clairement, c'est ça en fait moi qui m'a vraiment manqué, ce manque d'approfondissement, ce manque d'épaisseur, ce manque d'aboutissement dans l'intrigue, dans l'univers et dans l'ambiance générale. C'est vraiment les deux choses qui m'ont vraiment manqué. Je pense que l'auteur pourrait même, si elle le voulait, écrire une autre histoire dans cet univers. Alors peut-être pas avec les mêmes personnages, mais pourquoi pas avec d'autres personnages et approfondir l'univers en ayant une intrigue un peu plus poussée, en ayant un univers plus abouti, plus approfondi. Franchement, moi ça marcherait du feu de Dieu pour moi. Bref, j'ai bien aimé, même si j'en sors un petit peu frustrée. Je termine par un roman feel good qui est pareil de fin octobre, il me semble, ou tout début novembre. Il s'agit donc de Roméo cherche Roméo de Justine Meyers, publié aux éditions J'ai lu dans leur collection LNJ. C'est ça, LJ, ou c'est les initiales de la collection, je ne sais pas. Bref, j'ai un avis extrêmement mitigé pour ce roman. D'ailleurs, je vais pas le garder, je vais le revendre. Alors, il est un peu jauni là, mais c'est pas grave. Donc ici, on est dans un roman feel good. On va suivre un jeune homme qui s'appelle James, qui a 35 ans, qui va se retrouver célibataire du jour au lendemain,
et dans un métier où il n'éprouve absolument plus de plaisir, donc il est journaliste, sauf qu'il n'a jamais évolué depuis qu'il est entré dans ce journal, et il ne s'entend pas forcément très très bien avec certains de ses collègues, et en plus du jour au lendemain il se retrouve célibataire puisque ça n'allait plus avec son conjoint. Du coup ce jeune homme décide de s'inscrire sur des sites de rencontres, en espérant retrouver l'amour, sauf que bah les sites de rencontres c'est pas toujours ça, et que finalement il tombe pas forcément sur l'amour, ça va pas jusqu'au bout, et il décide d'en faire un blog et d'écrire sur ces fameuses rencontres, de ce site de rencontres, de ces sites de rencontres, et il ne s'attendait pas du tout à ce que ça marche aussi bien. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour ce roman. J'en garde pas un souvenir mémorable, j'en garde pas beaucoup de souvenirs non plus de ce texte-là. Je sais que ça a tourné pour moi beaucoup en rond, hein, puisque rencontre, écriture sur le blog, rencontre, écriture sur le blog. Voilà, il y a pour moi la grosse majorité du roman, ça a beaucoup tourné en rond. C'est un personnage qui me faisait mal au cœur parfois, parfois je le trouvais touchant, parfois il m'exaspérait. Voilà, je ne savais pas sur quel pied danser avec le personnage de James. Sur la fin, il est devenu arrogant, enfin bref, il est passé par plein de phases qui font que moi, j'ai pas toujours apprécié ce personnage. J'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage, j'ai eu beaucoup de mal avec cette intrigue qui était longuette, qui pour moi... c'est pas trois pattes à un canard, c'était lourd, c'était long. Alors on retrouve bien le côté so british de ce roman, le côté flegmatique des Anglais. Ça j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé le côté flegmatique, j'ai bien aimé tout ça, mais c'est tout en fait, c'est tout. C'était long en fait, c'était long. Alors il y avait des rencontres qui étaient marrantes, je dis pas le contraire, il y avait une touche d'humour. Mais c'est tout en fait. Pour moi, j'ai trouvé que c'était longuet, qu'on tournait beaucoup en rond. Le personnage n'était pas spécifiquement très attachant. Il a mis un temps fou à évoluer, surtout sur la fin. Donc voilà, j'ai pas particulièrement aimé ce roman. C'est dommage, parce que pourtant il avait tout pour me plaire. Ça avait l'air d'être vraiment un roman hyper feel good. Voilà. Par contre, la plume est fluide. La plume est fluide, ça se lit tout seul, ça se lit bien. Donc voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés ou non. Moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Salut !